Une étude prédit la fin des glaciers dans les Pyrénées d'ici 2050. Préoccupant, dans toutes les zones du monde, les glaciers sont en péril, menacés par le réchauffement climatique. Et la fonte est de plus en plus rapide. C'est sur ce sujet que Vicky Bogart répond ce soir à toutes vos questions. Alors Vicky, d'abord, quelle est l'ampleur de la fonte des glaciers ? Imaginez une surface équivalente à la taille de la France, recouverte d'une couche de glace de 60 cm d'épaisseur, qui fond. Eh bien, cette quantité correspond à ce que perdent en moyenne les glaciers dans le monde chaque année depuis l'an 2000. Alors, on savait déjà que les glaciers perdaient de la glace, mais grâce au travail, notamment de chercheurs français qui se sont appuyés sur 1,5 million d'images et de données satellites, on mesure désormais de façon très précise la vitesse de fonte des 220 000 glaciers de la Terre et le rythme est de plus en plus soutenu. Même Thomas Pesquet s'en rencontre à l'œil nu depuis l'espace. Il a partagé récemment cette magnifique photo du glacier d'Uppsala en Amérique du Sud, un glacier qui a reculé de 4 km ces dernières années. Alors Vicky, où les glaciers fondent-ils le plus rapidement ? Selon cette étude inédite, ce sont ceux de l'Alaska, de l'Islande et aussi ceux qui se situent dans les Alpes. À Chamonix, regardez cette photo de la mer de glace en 1935, comparée à une photo beaucoup plus récente. Elle recule de 8 à 10 mètres par an. Tous les glaciers des Alpes seraient condamnés d'ici la fin du siècle. Dans les Pyrénées aussi, la situation est préoccupante. Des experts redoutent une disparition complète de la vingtaine de glaciers d'ici 2050. Et enfin, cette semaine, le plus gros iceberg du monde, 170 km de long sur 25 de large, soit environ la moitié de la Corse, s'est détaché de la banquise en Antarctique, un phénomène impressionnant. Mais cette fois-ci, ce n'est pas forcément un signe du réchauffement climatique, selon plusieurs spécialistes. Ce serait le résultat du cycle naturel des banquises. Alors quels sont les risques qui sont liés à cette fonte des glaciers ? Qui dit fonte des glaciers dit évidemment hausse du niveau des océans avec tous les risques que cela comporte pour les centaines de millions de personnes habitant les zones côtières. Mais les glaciers, ce sont aussi des châteaux d'eau naturels. Ils stockent l'eau tombée l'hiver sous forme solide et ils la rendent dans les rivières en été. C'est très utile en période de sécheresse, sans parler du bouleversement des paysages et des espèces animales menacées. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations. Et avant...